Salut les Sonivores, on est en direct de l'IFA. On a réussi à mettre la main sur un Xperia Z5 et on va tout de suite essayer le capteur d'empreinte. Donc, il se trouve sur le bouton on/off. Donc on va aller configurer ça dans les paramètres, sécurité, fingerprint manager. On va commencer, on va taper un pin to bet. C'est parti. Donc pour le configurer, il nous demande de placer notre doigt sur le détecteur pour faire différents scans. À chaque fois il vibre pour nous dire que c'est bon. On peut passer à l'étape suivante. En fait, le but c'est d'avoir l'empreinte sous plusieurs angles différents, histoire de ne pas être embêté lorsque vous allez essayer de déverrouiller. Vous n'avez pas toujours la main dans la même position. Voilà, essayer de finir. Donc, il y a quand même quelques paramétrages à faire. Hein. Vous voyez, ça prend un petit peu de temps pour prendre l'empreinte. Voilà. Mais je pense que derrière on s'en bénéficie. Donc j'ai scanné ma première empreinte. On peut en gérer jusqu'à 5 parce que vous déverrouillez peut-être pas toujours avec le pouce. Donc ici on a activé le déverrouillage par empreinte. On va tout de suite essayer. Donc, je verrouille mon téléphone. Il me suffit de rappeler une fois. Donc, vous voyez, il est verrouillé. Et juste en posant le pouce, voilà, il est déverrouillé. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut les Sonivores!